Nous avons maintenant confirmation que les prisonniers de l'asile d'Arkham sont sur le pied de guerre une fois de plus. Et on peut se demander si c'était vraiment une bonne idée d'abriter tous ces super malfrats sous un même toit. Enfin, pour le moment, l'idée du maire de les regrouper dans une zone haute sécurité au cœur de la ville semble être abandonnée. C'était un désastre assuré. On a récupéré tous les prisonniers, sauf le Joker. Il a dû être le premier à s'échapper. Il avait dû introduire une sorte d'explosif. Non, je ne crois pas. Moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Une dernière chose, monsieur. Pardonnez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur.
Pardonnez-moi, monsieur. Une dernière chose, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Pardonnez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur.
Tu vas devoir mourir.
Connexion distante. Bat ordinateur, connexion à distance activée. Identifier résidu radioactif. Élément radioactif similaire à la signature énergétique du projet JSG-817 du département de la Défense US en cours de développement à LexCorp. Et bien maintenant, on sait qui a aidé Joker à s'évader. Lex Luthor ? Pourquoi un honnête candidat à la présidence aurait-il besoin de s'associer au Joker ? On dit que Lex Luthor ne serait pas aussi honnête que ça. C'est le moment où jamais d'en parler. Les élections, c'est demain. Monsieur le commissaire, il y a eu un cambriolage chez Ace Chemicals. Sans doute le premier arrêt du Joker. Ha 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 ha!